Jean-Dominique Okemba, deuxième figure de la franc-maçonnerie au Congo, tisse sa toile sans éveiller le moindre soupçon. Son plan semble être mis en exécution. Christelle Sassou Nguesso sera-t-il le baby dog congolais? Dans le silence assourdissant, la succession se prépare à grands pas au sein du clan. Jean-Dominique Okemba, qui dispose d'un carnet d'adresses et d'un agenda, réactive peu à peu ses réseaux et se prépare à toute éventualité. Le neveu du dictateur ne supporte pas l'idée d'une succession de pouvoir à Christelle Sassou Nguesso. De son avis, ce dernier est incompatible avec la fonction, car il est impliqué dans plusieurs scandales financiers à l'international. Les divisions se font de plus en plus ressentir, même au sein de la famille biologique et politique de Denis Sassou Nguesso. Ouvrons une petite parenthèse. Saviez-vous que la fille aînée de Jean-Dominique Okemba garde une dent dure à l'égard de Claudia Sassou Nguesso? Allez-y comprendre pourquoi. Saviez-vous que la fille aînée de Jean-Dominique Okemba dispose d'un vaste réseau d'exploitation et de distribution des métaux précieux en Suisse? Le tout couronné par l'intermédiaire de son époux. Nous fermons la parenthèse. Disposant d'un large réseau secret dans l'appareil militaire du régime, Jean-Dominique Okemba veut tout coup prendre le pouvoir, bien qu'étant un semi-analphabète. Il est le principal argentier de la campagne médiatique en France contre Denis Sassou Nguesso. Il ne supporte plus les égarements de son oncle. Difficile à croire pour certains d'entre vous, mais la vérité est plus qu'une fiction. Il a aussi des entrées du côté de l'Élysée. Jean-Dominique Okemba est un fin stratège qui donne l'image d'une personne discrète mais dangereuse et affreuse pour ses victimes. D'ailleurs, il participa activement dans l'affaire des disparus du Bitche de Brazzaville et dans le génocide du peuple Lari dans le Pou. La succession de pouvoir au Congo risque d'être mouvementée dans les prochaines années. La colère de Jean-Dominique Okemba à l'égard de Christelle Sassou Nguesso reste intacte.